Le métier de pilote d'hélicoptère commercial ou d'appareil à voilure tournante est l'un des plus passionnants et polyvalents dans le secteur de l'aviation. Il n'y a pas de mots pour décrire la sensation éprouvée aux commandes de ces aéronefs. C'est à la fois un sentiment de réussite et de liberté. Les caractéristiques uniques de ces appareils à voilure tournante, leur capacité à faire du vol stationnaire et à décoller verticalement, par exemple, permet aux hélicoptères de faire du travail aérien. Cela comprend une gamme de tâches telles que le soutien pour le pétrole exploité en mer, l'inspection de lignes électriques, des levées forestiers et géophysiques, des évacuations sanitaires, le tourisme, des opérations policières et la lutte contre les incendies en forêt. Vous pourriez voler au-dessus des montagnes, d'air de nature sauvage, des villes et même des océans. Vous pourriez bâtir des infrastructures au Canada ou aider à sauver des vies. Ce métier requiert beaucoup d'habileté et de conscience professionnelle, que vous œuvrez dans le secteur de l'aviation civile ou pour les forces canadiennes. Que vous pilotiez des hélicoptères à piston ou propulsés par turbine, vous devez être discipliné, soucieux de la sécurité et des détails. Somme toute, vous serez responsable de votre aéronef, de votre équipage et de vos passagers. Pour obtenir votre brevet de pilote d'hélicoptère, vous devrez fréquenter une école de formation au sol et accumuler des heures de vol. Vous devrez aussi réussir les examens écrits et les tests en vol de Transport Canada. Le Conseil canadien de l'aviation et de l'aérospatiale peut vous donner des informations sur les exigences en matière de brevet et d'éducation pour le métier de pilote d'hélicoptère commercial, ainsi que sur les possibilités d'emploi qui s'y rattachent. Visitez le site web CCAA, où vous pourrez en apprendre davantage sur les nombreux choix de carrière extraordinaires dans le domaine de la maintenance des aéronefs et de la fabrication aérospatiale.